Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour micro. Nous sommes le 30 mai 2018. Il se passe beaucoup de choses actuellement en France. Beaucoup de choses qui dispersent les esprits, qui les empêchent de réfléchir posément, qui divisent la nation, qui renforcent des opinions malsaines souvent. Et les traîtrises continuent à se dérouler au cœur même de l'Assemblée. Alors cette nuit, j'ai peu dormi, comme d'habitude, et j'ai rédigé un texte dont je vais vous faire la lecture. Ce texte se prénomme Le dernier bastion. Nous sommes le dernier bastion, la dernière force de résistance, pardon. Nous sommes aujourd'hui trop peu à défendre la citadelle de la vérité avec acharnement et sans en tirer le moindre profit. La richesse appartient aux menteurs. La vérité ne récolte que misère. Et même miséreux, nous brandissons notre colère du mensonge et de la tromperie quotidienne, de l'insulte faite à la vérité et à tout un peuple. Nous récoltons crachats, insultes, traîtrises de la part d'infiltrés qui se font passer pour nous, qui se prétendent des amis qu'ils ne sont pas, qui veulent nous fréquenter et alléguer mille mensonges, tous plus flatteurs les uns que les autres pour nous séduire et abuser de notre sillage. Les voilà à présent qui se hissent sur les épaules de géants en prétendant leur ressembler. Et, d'apparence, ils ont celle des démons maquillés en humains. Ils sont petits, médiocres, jaloux, disposés à nous haïr à chaque bon mot, à chaque humanité dressée sur la pellicule et l'écran noir de leur nuit blanche, à déguster les paroles d'un loup-garou qu'ils plagient en les faisant leurs. Alors que nous vivons de souffrance, car trop conscients de la misère des hommes, entre guillemets, chacun de mes livres est un aveu arraché par la torture, disait Léon Blois. Dans mon journal de 1892 à 1917, dans le domaine public, c'est gratuit. Je ne saurais dire mieux. Et, ajoutait-il, mon existence entière a donc été un tel prodige de douleur, un pèlerinage si infernal que les juges les plus atroces conviennent de l'exagération du châtiment. La trahison ou l'imbécillité des chefs et la reculade continuelle de soldats sans testicules ont amené ce résultat. Le désastre paraît immense, irréparable. Un seul résiste qu'on ne peut pas démolir. Un aventurier, si on veut. Un casse-cou, un gendarme du vagabond. Une espèce de désespéré magnanime. Il n'y a que lui pour dire qu'il ne faut jamais se rendre, jamais accepter de conditions, même honorables, eût-on sur la gorge 1 000 couteaux, et qu'aussi longtemps qu'un homme résolu peut se tenir sur ses deux pieds, Dieu est dans cet homme pour tout réparer, pour tout sauver. Eh bien, c'est unique et abhorré, maudit, renié, conspué, inaperçu. Ceux qui devraient combattre avec lui, sous lui, et pour lesquels il meurt chaque jour, non contents de l'abandonner à l'ennemi, bien sûr, dressent contre lui des chiens féroces. Et si, par un miracle de Dieu, quelques-uns, voyant de loin la générosité de ce combattant solitaire, s'arrêtent, une minute, fixé par l'étonnement, c'est pour déclarer bientôt qu'une telle indiscrétion de courage les met en danger. Léon Blois, dans son journal, c'est l'introduction de son journal. C'est drôle comme les choses ne changent pas. Il y a toujours des combattants de la vérité, des gens qui se battent pour les pauvres, pour les miséreux, pour les enfants. Et il y a toujours des sans testicules, comme ils les nomment, qui font tout pour ne pas agir et pour les freiner. Comme quoi l'homme est incapable d'évoluer. C'est vraiment un virus, un parasite sur cette terre. Nous sommes au-delà des clivages religieux. Chrétiens, juifs, musulmans, dont se servent nos politiques pour diviser les citoyens entre eux. Nous sommes au-delà des clivages politiques, droite, gauche, centre, extrême en tout genre. Nous sommes au-delà des clivages xénophobes, arabes, noirs, blancs, jaunes, jeunes. Nous sommes libres,
c'est ce qui leur déplaît. Car la vérité n'a pas d'étiquette. Elle existe, rien de plus. J'ai perdu. Mais rien de moi. Au lieu de nous aimer avec honneur, le mépris qu'ils nous accordent est dévastateur pour leur conscience, car ils oublient également qu'ils auront des comptes à rendre au dernier jour de leur vie. Et que diront-ils alors? Oui, j'ai vendu la vérité à la putain de Babylone. J'ai été complice de lui avoir vendu les enfants. J'ai fait des sonneurs d'alerte des saints Jean-Baptiste à décapiter après la danse des sept voiles. J'ai arraché la main d'un étudiant que je prenais pour un terroriste qu'il n'était pas. J'ai vendu mon pays aux satanistes pédophiles, provoquant souffrance et désespoir. J'ai organisé par ma soumission la vente de mon pays aux capitaux étrangers. Est-ce cet héritage qu'ils laisseront à leur progéniture aussi pourri qu'eux, à cause de leur lâcheté? Rongées par la méchanceté, ces sœurs, la médisance et la calomnie d'appel, ces âmes damnées ne vivent que de misère en asséchant leur cœur, comme la mer d'Aral ou le désert de Gobi. Une conscience de piranha en guise de raison et un appétit d'ogre dans le genre connard monumental. Voilà ce que nous affrontons malgré nous. Les cerbères du pouvoir, les brigades du pingre, du banquier véreux, de l'économiste médiocre et du menteur pathologique qui s'enfile des bites d'amarrage en regardant passer les bateaux de migrants à l'horizon. Il se frotte les mains, l'enfant gâté comme une pomme pourrie. Il satisfait aux objectifs de son associé banquier criminel. Il ne voit que sa prime à l'usure. Il monte des coups, des crimes terroristes, des affaires aussi minables que sa mentalité désastreuse, alors que sa vieille se tape du homard à l'armoricaine en se régalant de sa queue. Non, du homard, si. Elle est intouchable, gorge profonde, elle est imbaisable, la femme de l'ombre. Et puis il y a les traîtres. Il n'existe plus de nom pour les qualifier, ceux qui prétendent défendre les intérêts du peuple. Deux points, ouvrez les guillemets, ça a été publié par le Nouvel Observateur. 63 députés ont veillé jusqu'à 2 heures du matin pour rejeter l'amendement. Parmi eux, les chefs de file des députés LREM, Richard Ferrand, des députés MoDem, Marc Fesneau, et des députés LR, Christian Jacob. À noter que les groupes insoumis et socialistes et communistes n'étaient représentés que par un député chacun. S'ils avaient été au complet au moment du vote, l'interdiction du glyphosate et donc de l'herbicide fétiche de Monsanto Roundup aurait pu être votée. Où étaient-ils tous? Tous ceux qui viennent hurler avec les loups que défendre le peuple est leur mission, encore une preuve de leur mensonge absolu, corrompu absolument par le pouvoir et l'enrichissement silencieux. Tout ce félon à la cause humaine. Ensemble, main dans la main, pour continuer à empoisonner nos enfants avec les poisons reconnus de Monsanto aux États-Unis, mais pas en France, car la presse refuse de faire son travail d'investigation sur les lobbies qui la corrompent allègrement. Combien de conférences, de vidéos, de cris de douleur faudra-t-il pousser pour que les citoyens de ce pays ouvrent enfin les yeux sur la vérité? Combien de fois devrais-je expliquer que le glyphosate est toxique pour l'organisme et que la science a statué sur le sujet? Le juge Curtis Karna aux États-Unis a déclaré, deux points, ouvrez les guillemets, Monsanto a sciemment dissimulé la vérité concernant le glyphosate et sa capacité à provoquer le cancer. Nous avons de nombreux documents et procès menés par Monsanto pour refuser d'accorder un lien entre le glyphosate et le cancer, lien pourtant indiscutable. Point, fermez les guillemets. Et nous avons 63 traîtres, traîtres à la nation, députés, élus du peuple, qui vendent le peuple à la mort. Comment pouvons-nous continuer à accepter cela? C'est une question que je vous pose et à laquelle vous ne répondrez pas, car tout le monde est complice.
et 63 prétentieux, arrogants et fiers d'une intelligence et d'une culture qui n'a jamais investi leur cerveau, tous invités et acteurs principaux au bal des faux-culs, ont décidé de continuer d'empoisonner 67 millions de Français par leur inconséquence ou par leur corruption. Pas un pour racheter l'autre. Qu'on ne vienne plus me parler de Mélenchon. Qu'on ne vienne pas me parler d'un député tel ou un tel. C'est une honte pour la France. C'est une honte pour notre peuple. Pour nos enfants, pour nous-mêmes. Ces ignorants, incultes, qui ne comprennent pas qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes et qui empoisonnent nos enfants. Et nous les payons. Mais nous devrions arrêter, cesser de payer des taxes et des impôts. Il faut paralyser ce pays. Il faut les mettre à la guillotine. Car ils ont vendu l'humanité à des criminels. Il est vrai que parfois, j'ai cette sinistre impression de prêcher dans le désert à des pierres muettes et à des sables mouvants. Nous savons que le glyphosate est responsable du cancer. Nous le savons. Nous le savons aux États-Unis, mais nous ne le savons pas en France. C'est tout de même extraordinaire. Nous ne savons même pas, ces imbéciles qui ont voté cette loi ne savent même pas qu'ils sont bourrés de glyphosate, car ils vont manger dans les meilleurs restaurants, et ceux-là ne prennent pas toujours des légumes biologiques. Donc automatiquement, ils sont contaminés sans le savoir. C'est à dormir debout, c'est à marcher sur la tête que d'être représenté par de tels crétins. À présent, l'affaire Mamoudou Gassama est tellement révélatrice de ces fourberies que ce gouvernement nous impose. Un concours de régularisation a été lancé par Castagnette. Olé! Et ses services, dirigés par un vilain petit canard qui se dandine dans les couloirs de l'Élysée en panoplie d'Howard Duck, déguisé en pilote d'avion de chasse, tantôt à voile puis à vapeur, avance ou recule ou comment veux-tu que je t'en fume avec du gaz syrien peut-être, celui que nous aurons volé. Le patron tombe le drapeau et la course acharnée commence. Le premier qui rattrape le gosse sera le premier à en bénéficier. Ils étaient déjà plusieurs sur la liste, triés sur l'affreux volet de la misère migratoire. Ils attendaient devant l'immeuble du 18e arrondissement de Paris que le départ fût donné. Le voisin complice donnerait le feu vert en apparaissant au balcon, avec une femme, peut-être la sienne pour l'occasion. Mais de ce parterre de concurrents, un seul sortit du lot en une seconde. Il s'élança comme une panthère noire et gravit les échelons tel Odyssée, escaladant les montagnes de l'Ayayé, pour atteindre le refuge de Circé la magicienne et libérer ses compagnons transformés en porcs. L'enfant était petit, très petit. Avait-il de grandes oreilles? En tous les cas, il avait de petites mains qui s'agrippaient à la rambarde de fer pour ne pas tomber dans le vide, et un harnais de sécurité dont on percevait les pourtours sous son t-shirt. La mise en scène était remarquablement bête, mais efficace. Malink alors. Et notre sauveur était-il Bambara, Bobo, Bozo, Dogon, Kasonke, Malinke, Minianga, Peul, Senofu, Soninke, Sarakole, Sonrai, Touareg, Hutukula? Voilà les ethnies du Mali. Voilà de l'ethnologie. J'aimerais savoir qui est-il, ce Mamoudou? Personne ne le sait, personne ne l'a dit, et pourtant. N'est-il pas important de savoir d'où vient ce héros acrobate qui deviendra national, que dis-je, international après son exploit? Migrant un jour, héros titularisé en quelques secondes à peine, il va en inspirer énormément. La bravoure paye en France, mais pas pour tout le monde. La course au balcon fera d'un migrant économique le héros d'une farce en quelques secondes, la plus mauvaise farce jouée par des parents militants et un odieux dictateur blanc qui cherchait son nègre comme le précédent trouva le sien, avec une matraque de CRS plongée dans son tréfonds pour refus d'obtempérer. La manipulation est grande, mais la chute est terrible.
Après cet exploit, notre Black Panther fut convoqué à son ambassade où il reçut un appel de son président sur un téléphone portable. Son président le félicita à son tour et pour le remercier de sa bravoure, il lui proposa immédiatement un poste dans son armée de gazelles malicieuses ou de tigres de papier. Il n'était soudain plus migrant. Il était malien intégré et honoré chez lui. Il pouvait donc rentrer. Ses misères avaient trouvé leur terme. Mamoudou aurait dû être transpercé par la joie, mais ce ne fut en tous les cas pas la réaction qu'il montra à la caméra. Alors que les officiels étaient fiers et heureux de cet entretien, le principal intéressé ne laissa à aucun moment éclater ce soudain bonheur de porter l'uniforme national et de se sacrifier pour sa patrie. Mais le grand chef blanc venait de le régulariser pour ce bel exploit d'être parvenu le premier au balcon où se trouvait l'enfant, jetant aux ordures les exploits quotidiens des sapeurs-pompiers, des sauveteurs en montagne et en mer, et des sauveteurs anonymes qui ont oublié d'être maliens. Non, pour le dictateur blanc, Mumutator, seul l'exploit du jour valait les honneurs, car réalisé par un migrant. Mais c'est à se demander si nos sauveteurs valeureux sentent le pâté en France. Pour les mépriser de la sorte, faisons-leur l'honneur d'exister pour tous, ces sauveteurs français, anonymes que le petit dictateur blanc méprise, car il veut être le second président d'une Afrique migratoire, pas celui de son peuple. Le 8 janvier 2018, dans les Deux-Sèvres, Vincent sauve ses voisins, une famille de 6 enfants victimes d'un incendie en pleine nuit. 6 enfants! Le 12 janvier 2018, dans le Rhône, Nicolas sauve une grand-mère et sa petite-fille de 3 ans en se jetant dans la Saône. Le 18 janvier 2018, en Gironde, Julien, 22 ans, plonge dans la Dordogne pour sauver une femme de la noyade. Le 24 janvier 2018, dans l'Aveyron, Arnaud, 26 ans, sauve un bébé de 7 mois emporté par les flots d'une inondation. Le 24 janvier 2018, dans la Dordogne, Véronique sauve sa voisine de 85 ans en train de se noyer dans un bassin. Le 30 janvier 2018, toujours dans la Dordogne, un habitant de Terrasson sauve de la noyade l'un des voleurs de sa voiture. Le 2 février 2018, dans le Tarn, 3 policiers sauvent un homme de 60 ans dans l'incendie de son immeuble. Le 5 février 2018, dans la Dordogne, Julien, policier municipal, sauve un chien de la noyade au péril de sa vie. Le 10 février 2018, toujours dans la Dordogne, Thierry sauve un octogénaire coincé dans sa voiture au fond de l'île. Le 18 février 2018, dans le Loiret, Stéphane, Catherine, Quentin et Luc, policiers municipaux, sauvent une jeune fille de la noyade. Le 23 février 2018, dans le Morbihan, Frédéric et Bruno, 2 mères, sauvent de la noyade un homme en hypothermie. Le 24 février 2018, en Loire-Atlantique, les pompiers sauvent un jeune emporté par le courant de la Loire. Le 8 mars 2018, dans le Calvados, la Marine nationale sauve un couple de la noyade dans une mer à 7 degrés. Le 10 mars 2018, dans le Finistère, les pompiers sauvent un homme âgé et son chien de l'incendie de leur immeuble. Le 11 mars 2018, dans l'Aude, Brice, 20 ans, sauve sa grand-mère de 80 ans des flammes de sa maison. Le Linky serait-il pour quelque chose? Le 14 mars 2018, en Côte d'Or, Sylvie, 53 ans, se jette à l'eau pour sauver un enfant entraîné par le courant. Le 14 mars 2018, en Haute-Corse, un légionnaire du 2e REP sauve de la noyade un enfant emporté par le courant. Le 14 mars 2018, toujours en Indre-et-Loire, une adolescente sauve ses petits frères et sœurs des flammes de leur appartement. Le 16 mars 2018, dans le Nord, les sapeurs-pompiers sauvent un homme suicidaire de la noyade dans la Scarpe. Le 19 mars 2018, dans le Pas-de-Calais, la Marine nationale sauve de la noyade un pêcheur encerclé par la marée. Le 13 avril 2018, dans le Nord, les policiers sauvent une femme handicapée de son appartement en flammes. Le 14 avril 2018, en Haute-Garonne, un habitant se jette dans la Garonne pour sauver un chien de la noyade. Le 15 avril 2018, dans les Yvelines, Alexandre, gardien de la paix, sauve une dame de 92 ans de la noyade. Le 25 avril 2018, dans le Nord, Suwan Chun de Fontaine, 13 ans, sauve la vie de son ami poignardé en pleine rue.
Le 28 avril 2018, en Moselle, René, pompier volontaire depuis 27 ans, sauve sa voisine des flammes de sa maison. Le 29 avril 2018, en Charente-Maritime, deux plongeurs de la sécurité civile sauvent une famille de la noyade. Le 30 avril 2018, ça fait un mois, en Haute-Garonne, des policiers sauvent de la noyade deux hommes suicidaires en moins de 24 heures. Le 2 mai 2018, de la Somme, dans la Somme, Hervé sauve un jeune homme de 17 ans des flammes de sa maison. Le 4 mai 2018, dans le Rhône, un policier sauve de la noyade une personne suicidaire, encore une. On se demande pourquoi. Le 7 mai 2018, en Charente, des policiers sauvent de la noyade trois Afghans demandeurs d'asile. Ha ha! Aucune médaille! Le 10 mai 2018, dans le Gard, un gendarme sauve une femme de la noyade en se jetant dans le Gardon. Ah, ça frétille. Le 10 mai 2018, en Meurthe-et-Moselle, une passante sauve une femme handicapée tombée à l'eau en fauteuil roulant. Le 10 mai 2018, toujours dans le Morbihan, Mathieu et Benjamin, deux adolescents sauvent de la noyade un septuagénaire. Le 11 mai 2018, dans l'Oise, deux policiers sauvent de la noyade un homme tombé d'un pont. Le 20 mai 2018, à La Réunion, Stéphane sauve trois personnes de la noyade dans une zone infestée de requins. Le 21 mai 2018, en Dordogne, Cyril, agriculteur, se jette à l'eau pour sauver un quinquagénaire de la noyade. Le 23 mai 2018, dans les Alpes-Maritimes, deux policiers sauvent une dame âgée, bloquée dans son appartement en feu, etc., etc. Ce panégyrique a été réalisé par M. Jean-Michel Gorce. Et que dire, que penser de Marin, ce jeune Français agressé et handicapé à vie pour avoir secouru un couple face à des voyous? Ce jeune homme attend toujours la reconnaissance de la nation. Pourquoi Macron n'offre-t-il pas de médailles et d'autres avantages à ses héros nationaux? Parce qu'ils ne sont pas maliens? Ne devrait-il pas organiser une fois par an un apéritif dînatoire pour décorer tous ces héros? Non, parce que tout simplement, Mamoudou, sert son objectif, son plan migratoire, rassurer les Français sur les migrants. Ah, ils sont gentils, les migrants, ils sauvent les enfants sur les balcons. En Allemagne, en Suède, en Norvège, au Danemark, tous les jours, des viols d'enfants, de jeunes femmes, des agressions physiques et verbales, des meurtres jamais punis. Ces migrants sont systématiquement dans le droit, même hors la loi. C'est bien le message de notre despote. Les migrants sont gentils comme Kirikou. Ils ne feraient pas de mal à une mouche, bien sûr. Si c'est ce qu'ils veulent que nous croyons, eh bien, nous y croirons. Nous vivons une époque formidable. N'y voyez pas, je vous prie, ici, aucun propos xénophobe ou raciste, car vous me connaissez, je n'ai pas ces sentiments-là. Je suis pour la justice et pour la vérité. Mais si un homme est décoré pour avoir sauvé un enfant en grimpant sur un balcon, et tous ces témoignages qui prouvent que ces gens ont risqué leur vie pour sauver d'autres vies, sans réfléchir, eh bien pourquoi décorer l'un et pas les autres? C'est la question que je pose. Que Mamoudou soit malien ou pas n'a aucune espèce d'importance. Ce n'est pas ça qui compte. C'est l'acte. Et si on remercie l'acte de bravoure, cet acte de bravoure est donc universel et ne doit pas être remercié que chez l'un et pas chez les autres. Il y a là une profonde manipulation politique qui est inacceptable. Ben voilà. Jandroc, il a passé son coup de gueule. Allez, passez une très très bonne journée. Salut.